Salut à tous, c'est Nikos, bienvenue dans ce 40e épisode. La quarantaine, on l'a atteinte. Et on est sur la route 1. La dernière fois, on avait battu pour la dernière fois. Notre rival Crystal, ça y est, c'en est fini de lui. Et on avait capturé deux Pokémon, à savoir Fortress et Ratibox. Et oui, Ratata, je l'ai appelé comme ça, hein. Ah, et aussi un Démolos, donc voilà. Donc, nous voici à la route 1, la fameuse route 1, qui nous évoque beaucoup de souvenirs, hein. Dommage. C'est tellement bon pour les oreilles. Allez, on va capturer un Pokémon! Là, on va se rendre à Cramoisil pour voir ce qu'il s'y trame. Parce que le champion... il n'y a plus d'arène. Et... quand même. Ah ouais. Ah bien, eh bien, écoutez. Hydreigon, go. Fais-moi des balombres, je te fais des ripostes. Purée de poids, si tu veux. Pourquoi aucun effet? Allez, là. Pourquoi aucun effet? Refais-moi... Ah bah, si tu veux. Ah d'accord. Ah oui, c'est parce que c'est une attaque de type combat. Ok. Alors, j'ai racheté des hyperboles, hein, et des superboles. Comme d'habitude. Il est à plat. Bon, tu as intérêt de rentrer, je ne veux pas perdre mon temps. Allez. Allez! Et là... Non mais... Please! Oh non, s'il te plaît, quoi. Mais c'est pas possible! Mais... mais pourquoi tant de haine? Pourquoi les Pokémon à Kanto me font souffrir comme ça? Pourquoi la vie? Pourquoi je vais devenir fou en fait là? Mais pourquoi? Pourriez-vous m'expliquer? Pourriez-vous m'expliquer? Cauchemar. Mais putain! Non mais sérieux quoi? Pourquoi? Oh, je suis désolé, là, j'arrête pas. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses? Pourquoi? Mais il va pas rentrer, hein. Ah, d'accord. Mais... d'accord. Il se cache dans l'ombre des passants et vole leur cheveux. Eh oui, c'est comme ça. Je vais l'appeler démoniaque. Parce qu'il a pas voulu rentrer, ce satané. Sniff. Ah, attendez. Ok, on a 62 postes, ça va aller. Voilà, alors, on va voir. Démoniaque. Oh là là, démoniaque, ouais. Ça, c'est des attaques quand même chaud, hein. Alors, lui, normalement, il donne une CT. La CT 42 qui est dévorève
et qui est dans, là. Ah, Volby, d'accord. Eh bien, écoutez, on va revendre quelques CT. Quelques trucs aussi. Non, bon, on n'a rien. On n'a plus qu'une hyperbole. Lilliput. Voilà, Volby. Voilà. Parasport, allez. Même Parasport. Après... Oh, c'est vraiment embêtant, hein. Bon, on va faire avec. Du coup, on va racheter 3 pauvres hyperboles. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. On y croit. C'est parti, premier combat. Hein. Si deux dresseurs se rencontrent, ils doivent combattre. Ah, t'es pas... Tu dis pas ça pour rien, toi. Hein. Alors, tu as quoi? Gros doudou. Bon, j'ai assez perdu de temps, désolé. Karatrok. Eh, ça se fait pas de résister comme ça. Bah, non, mais tu te prends pour qui, Girafarig? Bon, Girafarig, enfin, je parle à... À lui, quoi. Celui qui m'était opposé, hein. Allez, toi, le combat, Ferisson. Oh, niveau 38. Le niveau augmente, enfin. Ah, c'est intéressant. Ok. Mais pas assez à mon goût, hein. Et nous voici au Bourg Palette. Oh là là, ça fait drôle de revenir ici. J'entraîne des Pokémon, ils sont mes gardes du corps. Et là, c'est la maison de Red. Salut! Red est parti il y a longtemps. Il n'a même pas appelé. Je ne sais vraiment pas ce qu'il fait en ce moment. À vrai dire, je me fais du souci. Ouais, c'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? N64, allez, oh là là. Bon. Ici, c'est la maison de Blue. Ah, alors. Salut, mon petit frère est le champion de l'arène de Jadiel. Mais il se balade beaucoup, ce qui embête pas mal de... Ouais. C'est le champion de Jadiel. Ah ouais. Ah ouais. Ah, Nikos, merci d'avoir voyagé jusqu'à Kanto. Que penses-tu des dresseurs du coin? Plutôt fort, non? Tu collectionnes les badges de Kanto. Cela doit être difficile, mais tu as beaucoup d'expérience à présent. Ok. Je viendrai te voir. 247 Pokémon vus. Ouais, ça veut dire qu'il y en a qu'on n'a toujours pas vu. Alors, il doit y avoir un trou quelque part, hein. Bon, bah, on va prendre son temps, hein. Écoutez, on est là pour le... Ah, ici, on n'a pas vu encore d'Arcanin. On n'a pas vu encore de Grumble. Et après... Noctalie, on l'a pas vu. Je crois qu'on n'a pas vu Celebi. On a OO quoi. Non mais ça, OO. Enfin, ok. Bon bah écoutez, on va pêcher au Bourg Palette. On est chaud, hein, hein. On est chaud. On est chaud patate. Rien du tout. Mais il y a quelque chose. Bon, on a 4 hyperboles même. Un Fouinard. Oh, ça vous dit des ripostes? Bah moi ça me dit, allez. Oh Mania, bah c'est parfait. Ok, c'est parfait, bah... choc mental, ça te met pas KO? Voilà, je suis trop fort. Allez, hyperbole, tu rentres. Tu n'as pas le choix. Yes! Allez! C'est comme ça qu'on joue. Allonge, Pokémon Allonge, il fabrique un nid souterrain très étroit et constitué de galeries labyrinthiques. Alors,
je vais l'appeler Fouille. Voilà. Allez, c'est parti. Nouvelle route. Nouveau Pokémon. Nouveau Pokémon niveau 40 grâce à la Mega Can. Et c'est un Carapaf. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Par contre, est-ce que t'as des attaques physiques? Oh non, pas de doux baiser. Claquoir. Pistolet à eau. Octazooka, tu n'as pas d'attaque physique. bah je peux faire Draco Souffle. Tu n'es pas KO avec Draco Souffle. Mais oui, regardez. Il n'est pas KO. Et voilà, et on le paralyse. C'est qui l'expert? C'est moi. Allez, une hyperbole. Par contre, ça va être dur de le capturer. Allez, allez, rentre. Non. Non, non, rentre, rentre. 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 Et je te surnomme Hydro-Tank. Je te renomme Hydro-Tank. Non. Non. S'il te plaît, sois gentil. Non. Bon bah tant pis. Bien, c'est tant pis, hein. C'est tant pis. Vous êtes d'accord? Eh bien, on est d'accord. Eh bien, maintenant, Max se repousse. Mais non, pourquoi je l'ai utilisé ici? Je pouvais l'utiliser autre part. Bon, il y a plein de dresseurs, c'est parti, on va s'entraîner à Donf. Donc, route 21, cramoisi, ils écument, route 20, route 19. Bon, c'est parti. Alors, toi, étincelle. Ok, niveau 48. Alors, on va changer. Vénère, go. Tu vas faire Bomberk. Machoc, choc mental. Trolololol, Kabutops. Bomberk. C'est pas très effrayant. Excusez-moi pour ce moment d'inattention. Allez, des super potions. Oh non, mais j'accélère à fond là parce que... bah voilà, n'a pas que ça à faire. Bon, bon, bon. On continue. Un dresseur ici. Allez, c'est parti, on enchaîne. Bomberk. Il a perdu, tant mieux. On est à 14 minutes bientôt, ok. Bon, on va voir ce qu'on va faire, hein. Vol. Poisson roi, vol. Tu le mets pas KO. Qu'est-ce que ça veut dire de ça? Démolos, Bomberk. Oui. Ça c'est bon ça. Ensuite, Hydreigon, go. Ah bah on va arriver à Cramoisil. Et voilà, on est à Cramoisil. On a un centre Pokémon en plus. Que demande le peuple quoi? Il y a un mot, la reine de Cramoisil est déplacée aux îles Écume. Ah ah. Oh. Qui c'est lui? Il n'y a pas un objet ici. Potion, d'accord. Mais je connais cette personne. T'es qui, toi? T'es dresseur, ça se voit. Moi, c'est Blue. J'étais un maître pendant un temps. Enfin, pendant quelques minutes. Juste avant que Red me batte. Je le hais, ce type. Bon, tu veux quoi? Tu veux te battre? Désolé, mais j'ai pas ça. J'ai pas la tête à ça. Regarde autour de toi. Un volcan explose et une ville disparaît d'un coup. Faire du poké-poké, c'est bien joli. Mais on peut se faire balayer par une catastrophe naturelle à tout moment. C'est bien frais ce que tu dis. Ok.
si tu cherches un combat, la reine de Jadiel, ok. Eh bien, je viendrai après la reine de Cramoisil qui se trouve aux îles Écume. Ok, merci pour cette information. On pourra pêcher aux îles Écume, hein, du coup. Alors, il y a un dresseur. Bah, allez, on continue l'entraînement. Voilà. Effet du repousse terminé. Ok. On va utiliser un autre. Une super repousse. Un super repousse. Et puis voilà. Alors ici. Tiens, une pancarte. Champion de reine de Cramoisil, Auguste. Y a pas d'autre dresseur ici avant? Ouais, allez. Quelle belle collection de badges. Oh! Niveau 48, waouh! On va faire surf. Et puis voilà. Maintenant, Ruto, tiens, go! Allez. Togepi, surf. Ouais, j'ai du mal à accélérer, hein. Dynamo point! Dynamo point, Sarah! Dynamo point, ça rate pas! Une chance sur deux, bah ouais. Alors ici. Ok, route 19. On a encore un dresseur ici. Fantominus. Ah, mais je voulais faire surf. Voilà, je le fais vraiment là. Persian. Dynamo point. Je t'ai dit dynamo point et tu rates. Saleté. Non, je rigole. Mais faut pas rater ses attaques. Oh, deux dresseurs. Ils flirtent ensemble. Allez, poudreuse. Oups. Allez, poudreuse. Oups pas. Ah là là. Bon, on a encore Styrmus à monter. On va envoyer Magie Random. Avant. Parmanine est plus très loin, eh oui. Lamantine. Ok, on a encore un dresseur. Eh ouais, ça enchaîne là, hein, ça enchaîne. Vent glacé. Rigolons un petit peu. Et les kids. Pince-masse. Oh, j'aurais pu être KO. Hein. Et Nidoqueen. Ok. Et nous voici. Bah ici en fait. Voilà, je peux rien dire plus. Hein. On va se réenvoler, ça, même si ça veut rien dire. Par contre, est-ce que j'aurai assez de repousse? Allez, s'il vous plaît, prions. 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 Allez. Allez, 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 allez. Oui. Bah, c'est bien ça. Oh, bah, il n'y avait plus beaucoup de pas, hein. Bon, eh bien, écoutez, on va affronter cet Auguste, là, pour l'épisode 40. Eh oui, c'est dans une grotte, comme ça. Allez, on met nos deux dragons en premier, même nos trois dragons en premier. Et même nos quatre Pokémon haut en premier. Et, enfin, voilà, quoi, ils sont tous favoris, nos Pokémon. Allez, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Wouah! Mon arène de Cramoisil a brûlé! Moi et mes Pokémon de feu n'avons plus de maison à cause du volcan. Wouah! Mais je suis toujours un champion! Et je fais la loi dans cette grotte, pas moi. Et je te donnerai un badge. Promis! J'espère que tu as de l'anti-brûle! C'est parti! 15e champion et avant-dernier champion! Là, ça va être tendu. Max Botaniste envoie un Fouinard! D'accord. Niveau 45. Et allez, c'est parti. On va se servir pour la première fois de cette attaque. Malédiction. Voilà. Comme ça, je serai persuadé que je le mets KO en un coup dans ce flamme. Ok.
ça marche. Bon, du coup... Ouh... Attention. Allez, yes! Eh oui, magie random peut contrer ça. Il a moins de vitesse à présent, mais il a beaucoup d'attaque et de défense. Allez, niveau 48, qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, tu dis plus rien là, hein? On change. On change. On va envoyer Styrmus. Quoique. Non, on va envoyer Vénère. Il peut rien nous faire, vu qu'on est de type sol. Eh ouais. Allez, Bomberk. Allez. Oui! Et enfin, un Tartare. Ok. On change. Niveau 50. Et on envoie Styrmus. Dans ce puits. Bon, je n'ai pas peur. Un petit aéroblast. Et voilà. Notre 15e badge. Et... à notre portée, yes. Oui. Mais c'est pas fini. Bien, j'ai perdu. Ça, c'était l'échauffement. On reçoit le badge volcan. Et il y a quelqu'un qui est apparu. Notre 15e badge, je perds, mais cette fois... mais à la prochaine, je serai vainqueur. Je vais reconstruire la reine de cramoisie et nous recombattrons à nouveau. Hein, c'est déjà fini? Désolé, la reine de cramoisie était fermée. Ok. Bon, bah, super. Alors, sur ces routes-là, cramoisie, île écume, route 20, route 19, il faudra capturer des Pokémon. Mais on n'a pas d'hyperbole. Donc, ça, c'est ballot. Donc, on fera ça dans le prochain épisode, sûrement. Mais là, j'ai décidé de prolonger. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que nous allons faire le dernier champion. Et oui, moi, je suis comme ça. On va prendre des hyperboles. Voilà, 11. Ça sera pour la prochaine fois. Vu qu'on a assez de potions, tout ça. Là, je m'en vais d'un pas déterminé pour affronter ce champion. J'espère que vous êtes chaud, les amis. J'espère que vous êtes chaud. On envoie Styrmus. Parce que là, ça va être aussi chaud que le champion de la ligue. Yo, te voilà enfin! J'avais pas trop envie d'un cramoisile, mais là, je vais te battre! Tu dis quoi? Tu as passé toutes les arènes de Johto? Ils sont nuls à Johto alors! Mais t'en fais pas! Je vais tout de suite te dire si tu as du talent ou non! C'est parti, minable de Johto! Et n'oublie pas son minable! Son mot minable, son mot fétiche! Han botaniste! Il envoie un Démolos, c'est parti! C'est parti pour du combat très très tendu. Vous voyez le niveau, niveau 56. On commence avec... Hâte. On va se hâter de le mettre KO. Aéroblast. S'il te plaît, mets le KO. Il a en pâle corne. Allez. Yes! Allez. Moi, je suis chaud, Tarpo. Ok. Tarpo, donc. Ah, c'est pas grave, on continue avec Styrmus. On va faire Aéroblast. On continue avec les Aéroblasts.
Allez, 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 fais-lui bien mal. Oh, c'est bien ça. Dans ce bruit. N'hésite pas à invoquer la pluie. Aéroblast. Allez. Et oui, là, c'est du vrai niveau. Xatu. Xatu. Niveau 56. Alors, on peut envoyer qui? On peut envoyer éventuellement E-Dragon. Allez. Hypnose. Ouf. On va faire surf. Oh, vague psy, ça peut nous faire mal. Ça peut nous faire mal. Allez, le surf, pleine puissance, là. La moitié, au moins. La moitié, le trois quarts, tout. Ah, j'ai cru. On se soigne. Allez. E-Dragon, voilà. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Bon, total soin du coup. Aïe, 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 aïe. C'est une attaque à dégâts variables. Et oui, là, ça m'a fait très peu. Il recommence, là, et là, il peut me faire très mal comme très peu mal. Oh là, oh là, oh là, oh là. Super. Ok, Styrmus niveau 48. Ensuite, il envoie un Tauros. Oh non. Cette machine, elle, il a destruction. Oh, 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 oh. Qui a le plus de défense chez moi? 115. 106, 118, 102, 80, 91. Alors là, je vais envoyer Ruto. Elle a Dynamo Point. Elle a d'assez bon PV. Pas de destruction, s'il te plaît. Oh, ça va faire mal! Ah, ça va faire mal. Bon, on se soigne. Quoi? Quoi? Suicune? Oh purée. Oh purée, Styrmus go. Oh purée. Oh purée, Dracosou. Oh purée. Oh là là. Non. Non. Mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit. Non. Je vais encore être atteint par un statut. Ouf, c'est bon. On va faire Draco Souffle pour tenter de le paralyser. Ah là là. Ah, c'est bon. Et on va faire des aéroblasts après. Aïe aïe aïe. Pas de coup critique. Ok. On va se soigner après. Oh, ça le paralyse pas. Je sais. Je sais. On va continuer avec les Dracosouples.
Allez. Et on va le surprendre avec un aéroblast. Allez, allez, là, faudrait que ça le paralyse en plus. Allez, s'il te plaît. Oh non. On va se soigner. Et on va taper un aéroblast. On est obligé là. On est obligé. Et oui, là, l'épisode dure un peu plus longtemps. Hein. Mais je voulais faire ce champion tout de suite. Allez, 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 allez. Allez, mets le KO, mets le KO, mets le KO, mets le KO. Oui. Oh, par contre, j'aurais... Oh non, par contre. Oh, 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 oh. J'aurais dû prévoir un truc. Tu vas me faire quoi là? Pas de destruction s'il te plaît. Pied voltige. Ok. Ce que je veux faire en... C'est pas possible ces dégâts là. Pas de destruction. Pas de destruction. Ok Damoclès. Résiste. Résiste, résiste, résiste. Ok. On va faire protection. Me mets pas KO, me mets pas KO. Non. Malédiction. Ok, on peut bien faire malédiction. Tirmus, non. Non. Résiste. Magie random. Vas-y. Purée, c'est pas encore fini. Oh non, mais... Non, 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 non. Résiste, résiste. Bruto. Ok. J'invoque la pluie. Ensuite, je vais soigner E-Dragon. J'ai perdu mes demi-heures. Non. Pas de chaos, s'il vous plaît. Pas de coup critique. Pas de poison. E-Dragon, go. J'ai ma petite idée. Ah là 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 là. Pas de coup critique. Prends-toi ça. Prends-toi ça. Voilà. C'était un petit peu trop calme, hein, ce dernier épisode. Et voilà. Non. Je souffre.
Imaginez, il recommence à coup critique, il m'empoisonne et il me met KO. J'aurais pu envoyer Psyrafari, mais j'ai peur de sa résistance. Bon. Pas de coup critique. Mais le KO. Oui. Quoi? Comment c'est-il possible ça? Pouf, tiens, prends ce badge de terre. On l'a bien mérité, les amis. Oh là là. Ok, j'avais tort. Je le reconnais, tu as du talent comme dresseur. Mais bon, je te battrai un jour, t'inquiète pas. Oh non, nos deux Pokémon. On les a perdus. On les a perdus. C'est horrible. Bon, on va se soigner. Bon. Bon. Malheureusement, on change de boîte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de mort. Et voilà. C'était inévitable. RIP. Je verrai pour les deux prochains. Il restera, à mon avis, deux épisodes avant la fin. Là, le prochain épisode, ça sera l'avant-dernier. Et l'épisode prochain, ça sera le dernier. Bon. On peut, à présent, leur dire adieu. Styrmus, tu m'auras servi tout Kanto et la ligue surtout. Magie random, tu m'auras servi beaucoup à Kanto également. Bon. On va s'envoler fièrement. J'éternue, désolé. Au bourg palette. Voir le prof Chen. Et puis voilà. Waouh, c'est génial ça, tu as gagné les badges de Kanto, bravo. J'ai bien fait de te faire confiance. Dans ce cas, Nikos, je vais faire en sorte que tu puisses aller au Mont Argent. Le Mont Argent est une montagne où vivent beaucoup de Pokémon sauvages. Cet endroit est trop dangereux pour le dresseur lambda. Mais nous pouvons faire une exception pour toi, Nikos. Va au plateau Indigo, tu pourras accéder ensuite au Mont Argent et ton Pokédex avance. Ok, bon. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, nous capturerons des Pokémon. Alors, à Cramoisil, aux îles Écumes, à la route 20, à la route 19, également au Tourbillon où notre Pokémon remplacera Lugia, et d'ailleurs ce Lugia est au niveau 60, mais ça sera un autre Pokémon. Et enfin, dans ce même prochain épisode, nous ferons la route en direction du Mont Argent. Et dans le dernier épisode, nous affronterons Red. Si on arrive à survivre jusqu'ici, mais il n'y aura pas de problème. Écoutez, j'espère que cet épisode 40 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter. Et on se retrouvera pour le 41e épisode. En attendant, je vous laisse. Bye tout le monde !